Kerasquet. Bonjour à tous et à tous. Un petit direct ce matin de Kerasquet, je prononce correctement. Nous sommes en Bretagne, dans un village typique, un village de chaumières. Alors, on va avancer un petit peu, je vais vous faire découvrir ce petit village. Regardez un petit peu, avec un four banal, déjà, dans le village. Un joli pierre. Je ne sais pas si vous avez une très bonne image, si tout fonctionne bien. Voilà, je me mets un peu... Il y a beaucoup de soleil. Voilà le four banal donc du petit village de Chaumières, de Kerasquet. Nous sommes en Bretagne ce matin, où il fait 3 degrés. Un beau ciel bleu, pas de nuages. Très très beau ciel. Et pas de pluie toujours, on a une petite pluie hier en Bretagne, c'est normal, une petite pluie de 5 minutes, ce serait même bizarre qu'on n'en ait pas. Voilà. Et regardez un petit peu ce beau village comme il est, avec uniquement, quasiment que des chaumières, donc des toits en chaume. Je vais vous faire voir un petit peu tout ça de près. Alors je vois qu'il y a beaucoup de monde déjà qui nous suit, merci beaucoup. On va s'approcher, allez, ces maisons sont très typiques de la Bretagne. Regardez l'épaisseur du chaume sur les maisons, c'est superbe. Regardez un petit peu l'épaisseur de chaume pour couvrir ces maisons. Très très beau. Alors, est-ce que les gens connaissent bien la Bretagne? Les gens, je crois qu'on a beaucoup de monde qui nous suit. Est-ce que vous connaissez tous la Bretagne? On va avancer un petit peu dans ce petit village de Chaumières, donc à Kerasquet, en Bretagne. J'allais dire dans les Alpes du Nord, c'est l'habitude. Non, on est en Bretagne, au bord de l'Atlantique. Alors, il y a un joli petit puits aussi dans ce village. Regardez. Tout en pierre, y compris le toit, la protection qu'il y a au-dessus du puits est en pierre. C'est superbe. Très très beau village. Je ne sais pas si les gens connaissent. C'est un village très typique, Kerasquet, très très typique. Petit village donc de Bretagne. Alors j'aime pas. Il fait un peu frais, j'ai pas pris les gants pour filmer. Et il fait frais ce matin. Il fait frais. Voilà, personne se promène dans ce village. On a même déjà des jonquilles, narcisses, jonquilles qui sont en fleurs. Regardez un peu si c'est beau ce village, avec une très très grosse épaisseur de chaume. D'où le nom des chaumières d'ailleurs. Voilà. Eh bien écoutez, on va continuer un petit peu pour vous faire découvrir ce village. Alors ici, le mur est en pierre levée. Regardez, c'est très très typique de la Bretagne. Regardez un peu. Ah, la pierre, ils en avaient ici. Hein. Ah, quasiment autant que chez nous en Savoie. Tout est en pierre. Et donc, tous ces toits en chaume. Ouais, si c'est beau. Ici, une petite maison, une petite chaumière. Ici, très typique toujours. Regardez, ils ont gardé le style de ces vieilles maisons. Regardez si c'est... Si c'est beau. Alors, beaucoup de monde nous suit. Je sais pas où vous êtes. J'ai pas de message, là. Donc, nous sommes à Kerasquet, en Bretagne. Dans le sud Finistère, on appelle ici la Basse Cornouaille. J'essaie de me souvenir de tout ce que l'on m'a dit. Alors, on avance un petit peu. Alors, très peu de voitures, très peu de monde ce matin dans ce petit village. On va aller jusqu'au bout. Je vais vous faire découvrir. Et cette chaumière, c'est les belles. Je vais vous faire découvrir une autre maison qui est très typique, où il y a même le saint un saint breton qui est sur la montagne. Alors, j'ai des premiers messages qui arrivent. Dites-nous un petit peu dans quelle région vous êtes, et s'il fait froid, si vous avez de la neige, s'il pleut. Parce que nous ici, il fait un grand ciel bleu, mais il fait frais, il y a 3 degrés dehors. 3 degrés. Alors, qu'est-ce qui nous écrit? Ah ben là, on a Mum qui nous écrit des Côtes d'Armor dans le 22. Ben, il est un peu plus au nord que nous. On a Geneviève qui dit que c'est très jolie maison, oui, très très jolie chaumière. Et Marie-Josée qui dit que c'est magnifique. C'est vrai que c'est très beau. En plus, avec ce beau ciel bleu, elle a même un arbre en fleurs ici. Oui, comme quoi la Bretagne, c'est très très joli. Ça nous change, nous, Savoyards, toujours de faire voir nos montagnes, qui sont très belles aussi, mais comme quoi la nature, elle est, comment dire, tous ces villages, qu'ils soient Savoyards, Bretons ou autres, sont toujours très très beaux. Je vais vous emmener jusqu'au bout de ce village pour vous faire découvrir un peu
cette maison que j'ai trouvée très très sympathique. Alors, là, qui est-ce qui écrit? C'est Bicounette qui nous écrit que c'est superbe, c'est tout en chaume. J'adore la Bretagne, je suis allé sur Camaret, à côté de la presqu'île de Crouzon. Et merci pour ce partage, elle est dans les Ardennes. Merci à Sylvie aussi qui est en Seine-et-Marne. Merci beaucoup Claire qui dit que c'est magnifique. C'est vrai que c'est très beau. Regardez un petit peu ces maisons. On dirait qu'elles sont figées dans le temps, n'ont pas bougé. Avec ces magnifiques toits en chaume. Ah si, c'est joli. Avec ces petits décrochements autour des fenêtres. C'est vraiment très très beau. Alors là, on a un bonjour de Normandie, de Nice. Il fait gris à Nice et il fait 10 degrés. Eh ben dis donc, un peu plus chaud qu'ici, mais il fait frais quand même avec 10 degrés. À Nice, c'est pas courant. Alors, qu'est-ce que j'ai ici encore? J'ai d'autres messages. Michel qui nous dit que c'est mignon. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Alors voilà cette maison dont je voulais vous parler. Alors j'ai demandé, j'ai une guide avec moi qui m'aide beaucoup. C'est le Saint... Saint-Yves. C'est le saint patron du Finistère. Ah voilà, ah, donc on est devant la maison. Alors c'est pas lui, il habitait pas là. Mais on a le saint patron, donc Saint-Yves qui est le patron du Finistère. Et qui est donc sur cette maison, à l'entrée quasiment du village. Voilà un peu, regardez. Oui, les pierres, le mur tout en pierre levée, des blocs magnifiques. Alors, qui est-ce qui nous écrit de la Somme? Chaque région a son charme, c'est vrai ça, c'est Bruno qui nous écrit. Les toits sont trop beaux, Vitrolles, il fait pas chaud à Vitrolles. Eh ben oui, et les filles de Carmaret se disent toutes vierges. Ah, ben on en apprend tous les jours. Voilà, alors regarde un petit peu cette maison, si elle est belle, elle a été restaurée un petit peu, mais très très belle maison. Voilà. On va refaire un petit peu. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit. Alors, on va refaire le village dans l'autre sens. On va découvrir un petit peu différemment le village. Regardez si c'est beau. C'est calme, quasiment personne. 3-4 voitures, mais les gens sont encore chez eux. Ils ont raison avec le froid qu'il fait. Ils n'ont pas envie de sortir. Et un ciel toujours bleu, très beau ciel. Bon, on préfère avoir un petit peu de pluie quand même, parce que ça commence à être sec un peu partout. Agnès qui nous dit que c'est très beau, la Bretagne. Bernard, qu'est-ce qu'il nous dit Bernard? Il est dans le nord de l'Isère, il a pas de ciel bleu là-bas. Eh oui. Alors, on a eu beaucoup de soleil cette année, là, pour l'instant, entre janvier et février, on va pas trop se plaindre. Et c'est vrai que on verrait un petit peu de pluie, ce serait quand même plus sympa. Et un peu de neige surtout pour les gens qui viennent skier. C'est vrai que s'il n'y a pas de neige, c'est pas vraiment l'hiver. Alors Claire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors vive le mois de mars qui nous apporte le printemps. Eh oui, il est là. Alors merci à tous les gens qui nous envoient des messages. Merci, c'est vraiment très très gentil. Alors je vais faire voir ce petit village qui est très typique, hein, ce village de Chaumière qui est très typique. Et je vous ferai un autre direct dans un petit moment où je vous ferai découvrir Pont-Aven, donc avec cette rivière, l'Aven, qui traverse le village, la commune, hein, toute la cité. Et c'est une cité de peintres, la cité des peintres, où a vécu Gauguin, entre autres. Regardez ces maisons, elles sont jolies. Et donc je vous ferai un petit direct tout à l'heure. Alors qui est-ce qui m'écrit ici? C'est... du Havre. Alors, le Havre, il y a de la neige. Ah, c'est de la neige fondue aujourd'hui, il fait 3 degrés. Et alors, il y a Noël qui nous demande où est-ce, si c'est loin de la mer. Est-ce qu'on est loin de l'Atlantique ici? On n'est pas loin du tout. Nous nous trouvons environ à 500 mètres de l'océan. Alors, on est à 500 mètres, on dit, de l'océan. Donc, on n'est pas loin du tout. On parle de mer celtique ici. Pardon? On parle de mer celtique. Ah, c'est la mer celtique ici, et non pas l'Atlantique. Bon, j'ai encore dit une bêtise. Voilà, regardez, on retrouve la petite Chaumière de tout à l'heure, qui est très jolie. Alors, si vous venez en vacances en Bretagne, venez visiter ce joli petit village. Alors, qui est-ce qu'il y aura qui nous dit que l'architecture naturelle, le savoir-vivre français, c'est vrai. Et Noël qui nous dit très bien, ben oui, puisque... Et si vous venez ici, n'hésitez pas, venez voir ce petit village. On repasse à nouveau devant le puits que l'on a vu tout à l'heure. Voilà ces maisons, avec ces maisons, ces fenêtres bleues, souvent on trouve les fenêtres, les portes en bleu.
C'est vraiment le typique de la Bretagne. Voilà, on est revenu un petit peu au point de départ. Ici, je vous fais voir encore cette épaisseur, c'est très impressionnant, l'épaisseur de chaume qu'il y a pour faire la toiture. C'est assez extraordinaire. Pour être certain que tout ça soit... Alors, ce qui est chouette, c'est que des... Il y a encore des artisans aujourd'hui qui sont capables de faire ça, de garder ces traditions. C'est très très beau. Alors, ce matin, qui est-ce qui nous dit que... C'est Daniel qui nous dit qu'elle a au moins 1 degré en Isère. Ah oui. Donc on a de la chance, nous, avec nos 3 degrés, un petit peu plus chaud. Voilà. Mais écoutez, je vais terminer le direct maintenant. On va terminer sur cette magnifique chaumière et cette entrée de village qui est très très belle. Voilà, je remercie tous les gens qui nous ont suivis, merci beaucoup. Bonne journée, à tout à l'heure, donc pour une petite vidéo dans le centre de Pont-Aven.